C'est parti pour la vidéo de présentation du programme OpenStego en version 0.5.2. Je vais lancer l'installation, exécuter, I agree, install, close. Alors, je vais lancer le programme, OpenStego, run OpenStego. Alors, OpenStego qui est un programme de stéganographie, c'est-à-dire l'art de dissimuler un texte, par exemple, dans une image. Donc ici, on a Embed pour créer l'image en stéganographie. Message file, donc j'ai créé un petit message. Oups là. Coucou, ceci est un message caché dans une image. Message file, je sélectionne mon fichier TXT. Text.txt. Cover file. Donc le fichier qui va servir, le fichier image qui va servir à dissimuler ce texte. Donc comme vous voyez, en format d'entrée, on peut prendre du BMP, JIV, JPG, PNG, WBMP, les formats les plus connus. Moi, j'ai ma caricature au format PNG, ouvrir, et output stego file. Donc je vais l'appeler stegano. Voilà. Ici, on peut compresser les datas. On peut rajouter un mot de passe, si jamais vous êtes vraiment paranoïaque, pour décrypter le fichier texte. Alors, je vais mettre un mot de passe. Use random image as source, utiliser une image aléatoire. Et puis ça, on va laisser d'origine. Donc, je fais OK. Et voilà, il m'a créé mon fichier stéganographié. Alors, je vais effacer par exemple mon fichier texte. Voilà. Je vais même vider la poubelle. Voilà. Alors, pour récupérer le fichier texte contenu dans l'image PNG, je vais ici dans Extract. Input stego file, je vais choisir mon fichier stéganographié. Ici, on choisit le répertoire de sortie pour le fichier texte, je vais laisser sur le bureau. Et donc, comme moi, j'ai demandé un mot de passe, je vais rentrer le mot de passe. OK. Et voilà. Il m'a bien retrouvé mon fichier texte à l'intérieur de l'image PNG. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.